Mr. Zverev, on va faire une petite révision pour le test blanc. Donc on va commencer l'ensemble N, ensemble des entiers naturels. Des entiers naturels. Donc N est formé par les entiers 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Une étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels privés de 0. Voilà. Donc privé de 0. X appartient à N. X paire. Et seulement si x égale 2k, k appartient à y appartient à n, y impair, et seulement si y égale 2p plus 1, p appartient à n. Voilà. Exemple, a égale racine de 2 plus 1 à la puissance 2020 fois racine de 2 moins 1 à la puissance 2020. A appartient à n. Réponse, a égale racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1 de tout à la puissance 2020 qui est égal à racine de 2 au carré moins 1 au carré à la puissance 2020 qui est égal à 2 moins 1 à la puissance 2020 qui est égal à 1 à la puissance 2020 qui est égal à 1. Donc A est un entier naturel. On y passe. Exercice 2. Bon, n fois n plus 1 paire à retenir. Produit de deux nombres consécutifs. Produit de deux nombres consécutifs. On donne B égale N carré plus 3N plus 8. Étudier la parité de B. Alors réponse, B égale N carré plus N plus 2N plus 8 est égal à N fois N plus 1 plus 2 facteur de N plus 4. Donc paire implique B pair. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Exercice 3. Répondre avec vrai ou 2 à la puissance 18, premier.
denk à la puissance N. De 5 à la puissance N plus 2. Et c'est un multiple. Troisièmement, la valeur absolue de 2 moins racine de 6 égale 2 moins racine de 6. Troisièmement, la valeur absolue de x supérieure à 5 est équivalente à x compris entre 5 et moins 5. Alors on va répondre pour la première. Il est faux, car 2 à la puissance 18 est égal à 2 fois 2 à la puissance 7, divisible par 2. Pour la racine de 6, et c'est faux. La valeur de x supérieure à 5, et seulement si x supérieure à 5 ou x inférieur à moins 5. Il reste celle-ci, donc ça égale 5 à la puissance n, facteur de 1, plus 5 au carré, qui est égal à 5. À la puissance n fois 26 qui est égal à 5 à la puissance n fois 2 fois 13. Donc vrai. Ça c'est fausse. Celui-là il est fausse. Celui-là il est fausse. Exercice 4, résoudre valeur absolue de x plus 2 égale à 5, valeur absolue de x plus 7 inférieure égale à 8, Allô? 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 Oui? Allô? Oui? Égale 3 ou x égale moins 7. 3, 7, 3. Voilà, c'est de x plus 7 inférieur à 8. Donc, x plus 7 entre 8 moins 8, c'est-à-dire moins 8 moins 7, x, 8 moins 7. Donc x compris entre 1 et moins 1. S égale
my parents. Exercice cinq. Premièrement, c de x égale 3x carré plus 2x moins 5. À déterminer le reste de la division euclidienne de P de X par X moins 2. Donc 3X carré plus 2X moins 5. X moins 2. 3X moins 3x carré, moins 6x, on entre le moins 6, 6x, donc ça va donner 8x moins 5, plus 8, donc moins 8x, moins 6, et plus 6, et ça fait 11. Donc, P de x est égal à x moins 2, partout de 3x plus 8, plus 11. Voilà le reste. Ça, c'est le reste. Ça, c'est le quotient. Donc, le reste, R égale 11. Voilà. Ah, merci, mes élèves, de bien suivre cette séance.